Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sollicite le haut du corps. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube Move Your Fit. Moi, c'est Alexandre Mallier. Je suis coach diplômé d'État depuis plus de 15 ans, 16 ans à peu près. Et je suis ravi de vous accueillir. Et toutes les semaines avec Jessica, on vous fait 3 nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de chaque nouvelle vidéo qui sort. C'est une le mercredi. Une le samedi matin, c'est un hit tous les samedis matins. Donc, si vous voulez brûler du gras, c'est le samedi matin. Et le dimanche, c'est un conseil fitness, nutrition, santé. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez, eh bien, je vous invite également, on a un petit cadeau pour vous, à télécharger les 10 conseils pour être top physiquement. Vous mettez votre petite boîte, votre petit email et on vous envoie ça dans votre boîte. C'est évidemment gratuit. Aujourd'hui, très simple. On va solliciter le haut du corps. Alors, on ne va pas se muscler, on ne va pas devenir des golgottes simplement avec que des petits poids. J'ai pris des haltères de 1,5 kg. Vous pouvez en prendre de 1 kg ou même une bouteille d'eau si, ou deux bouteilles d'eau si vous avez ça à côté de vous. Voilà, aujourd'hui, on va solliciter le haut du corps. On va solliciter le dos, on va solliciter les épaules et les triceps. Vous voyez ce qui pend là un petit peu. Voilà, ça va être un petit peu renforcement général basé sur le haut du corps. Je dis bien renforcement musculaire et je ne dis pas musculation. Voilà, c'est vraiment deux choses bien distinctes. N'allez pas croire que juste en faisant ça, hop, hop, vous allez avoir des bras de malade, ça n'existe pas. Il va falloir pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ok, ceci étant dit, je considère que vous avez fait un échauffement ou même là, vous pouvez commencer tranquillement, voilà, sans mettre trop de charge et ça va bien se passer, vous n'allez pas vous blesser avec ça. Ok, tranquillement, allez, on est parti, on enroule les épaules. Hop, vous pouvez faire cet exercice-là bah, après un HIIT par exemple. Juste voilà, ça fait, on va passer à peu près 15 minutes ensemble. Si vous avez fait votre HIIT, vous vous êtes donné à fond, un petit peu de renforcement musculaire derrière. Mais écoutez, ma foi, c'est un bon combo, une bonne combinaison. Je suis un petit peu enrhumé, mais je pense que vous me comprenez bien. Ok, allez, on commence tranquillement, les pieds, largeur d'épaule, légèrement fléchis sur les jambes, le dos est droit, on se grandit ici et on va juste venir, voilà, pour la partie échauffement tranquille, juste je fixe les coudes et je fais les biceps. Voilà, je souffle bien sur la montée et j'inspire en descendant. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, une petite vingtaine comme ça pour activer les muscles. Et on va rester en haut, hop, et on pousse devant et on fléchit et on descend. On fléchit, on pousse devant, on ramène et 1, 2, 3 et 4. Encore 1, 2, 3 et 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4, super. 1, 2, 3, 4, excellent. 1, 2, 3, 4. Voilà, et là ça commence déjà à chauffer, c'est normal. Voilà, respiration régulière, j'ai pas de consigne particulière à vous donner au niveau de la respiration. Voilà, juste sur celui-ci, on respire régulièrement et on pousse et on relâche. Encore, on tend, on fléchit et on revient. Oui, 1, 2, 3 et 4, super. 1, 2, 3 et 4, encore 1, 2, 3, le dernier, 1, 2, 3, on va ouvrir sur le côté, ouais, là on a une ouverture de cage thoracique, donc j'inspire en montant et je souffle en descendant, encore, j'inspire en montant et je souffle, je descends, j'inspire et je souffle. Ouais, allez, on va attaquer les choses sérieuses entre guillemets, mais tout ça dans la bienveillance, dans le respect de son corps et dans le respect de ses capacités. Toujours très important, on respecte ses capacités, on essaye toujours de les repousser un petit peu, mais voilà,
on prend son temps et surtout chacun son niveau. Ok ? Allez, on reste en haut. Voilà, vous fixez ici les coudes. Vous restez jambes légèrement fléchies toujours. Voilà, de profil, ça donne ça. Les coudes légèrement fléchis également et les bras hauteur d'épaule. Ok ? Logiquement, ça commence déjà à piquer un petit peu. Ok ? Allez, on maintient comme ceci. On relâche. Allez, on inspire, on souffle. Encore, on inspire, on souffle. Oui, 1, 2, 3, 4, excellent. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10 comme ça. 1, 2, 3, si tu veux, 4, 5, je vais finir ce que je veux dire, 6, 7, 8, 9, 10, on reste en haut. Ce que je voulais dire, si tu veux, tu peux mettre de la musique en fond. Parce que de temps en temps, dans les commentaires, on nous a dit « Ouais, vous n'avez pas de musique ». Oui, parce que si on met de la musique, YouTube va nous bloquer. Enfin, si on met de la bonne musique qui passe à la radio. Donc, on préfère ne pas en mettre. Et puis, bah, vous pouvez en mettre de votre côté. Il n'y a aucun souci. Ok ? On relâche, on enroule les épaules. Ah, ça pique un petit peu. D'autant plus que moi, j'ai travaillé un petit peu ça ce matin. Donc, ça me pique encore plus. Ok, tranquillement, on va continuer sur les épaules. Et on va monter les coudes vers le haut. Voilà, on va combiner un petit peu plusieurs exercices. Là, j'ai pareil. J'ai une ouverture de cage thoracique sur la montée. Donc, j'inspire en montant et je souffle en descendant. J'inspire en montant, je souffle en descendant. Voilà. Excellent. Voilà, respiration toujours régulière. Ah ! On va combiner les deux. On reste en haut, on ouvre, on ferme, on descend. Et 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Super. 1, 2, 3, 4. Parfait. 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4. Super. Monte. Ouvre. Et ferme. Encore. 4. Voilà. Et 3. Excellent. Et 2. Oui. Et 1. Je reste ici et je vais garder les bras ouverts. Je vais pencher le buste, localiser le travail sur les omoplates. Voilà, resserrer les omoplates, garder les bras légèrement fléchis. Ok, le dos reste droit, sortez bien la poitrine. On va ouvrir, inspirer. Et je souffle, je relâche. Encore, j'inspire, je monte. Sans à-coups. Allez, le mouvement est toujours fluide. Excellent. Encore. On monte et on freine. Doucement. On monte et on freine. Encore. 1, 2, 1 et 2. C'est ça. 1, 2, 1 et 2. Encore. 1, 2. Doucement. Voilà. Et 1, 2. On reste en haut. On ne bouge plus. Reste. Bloc. Allez les amis, bloquez. Si c'est trop dur, vous reposez les haltères, mais toujours gardez les bras à l'horizontale. Et on maintient. Encore. Allez, lâchez rien les amis, lâchez rien. Encore. Allez, restez en haut. Voilà, bien fort, bien fléchi sur les jambes. Vous voyez mon dos reste bien droit. Allez, encore. Et on remonte, on descend deux temps, doucement. 1, 2, on ouvre. On ferme. Et 1, 2, encore. Hop. Ouvre et ferme. Voilà. Vous voyez, c'est jamais d'un coup. Toujours le mouvement fluide. On privilégie toujours la qualité. Voilà. D'exécution plutôt à la rapidité qui va vous emmener à la blessure. Ok ? Allez, soyez vigilants sur votre placement. Dos droit.
on descend. Regardez, regardez, il y a trop de gens qui descendent comme ça et là, qui tirent vers le haut. Non, 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 non. Tout de suite, dès le départ, vous sortez la poitrine, vous penchez votre buste, vous ouvrez, vous fermez et vous relâchez. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Super. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3. Super, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Parfait. 4 fois. Voilà. Super. 3 fois. Hop. Encore 2 fois. 1. Choup. Le petit dernier. On va rester buste penché. Les coudes. Voilà. Resserrer le long des côtes. Voilà. Comme ceci. Je tends le bras derrière. Et je fléchis. Je tends et je fléchis. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Ouh, regarde mes coudes. Regarde mes coudes. Voilà. Eux, ils ne bougent pas. D'accord ? À vous aussi, voilà, de bien souffler et de ne pas bouger les coudes. Ils restent fixes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, encore les amis. Hein. Voilà. Encore. Soufflez bien. Allez, ça tire au niveau du dos, c'est normal. Tant que vous avez un bon placement, c'est parfait. C'est une petite douleur musculaire, il n'y a aucun souci pour ça. Hop, hop. Et je reste bras tendu. On se redresse, on remonte. Toujours bras tendu. On va chercher en haut. Resserrez-moi. Voilà, les deux poids dans la même main. Dans les mains, pardon. On fléchit toujours les jambes. On fléchit les bras vers l'arrière et on souffle. Et on souffle. Encore. 1, 2, 3, 4. Allez, rentrez le ventre. Soufflez. Parfait. Souffle. Trois petits en haut. 1, 2, 3 et relâche. Encore. 1, 2, 3 et relâche. Super. 1, 2, 3. C'est ça. Yep. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. Ça pique, je sais. 1, 2, 3. Pour moi aussi, ça pique. Hein. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Le petit dernier comme ça. 1, 2, 3. Et je relâche. Soufflez, enroulez les épaules. Il nous reste un petit peu, près 5 minutes de travail. On a déjà fait 10. Ouais, on a déjà fait 10. Pour aller jusqu'à 15, il nous reste à peu près 5 minutes. Tranquillement, buvez un petit peu. Là, j'ai pas pris de bouteille d'eau avec moi, mais si vous voulez, n'attendez pas que je vous le dise et n'hésitez pas à boire. Déjà, tout de suite, vous sentez pas là ? On se sent bah, déjà un petit peu plus droit naturellement. Donc, si vous faites cet exercice de dos, je sais pas, 2 fois, 3 fois par semaine, bah, tout de suite, sur le long terme, à chaque fois je le dis, c'est la régularité qui va payer, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus droit, voilà, progressivement. Ok, on essaye d'avancer un petit peu. Hop, fléchissez les jambes. On va combiner un petit peu les exercices. On descend. On ouvre. On amène devant. Et on relâche. Et on relâche. Et on remonte. Alors, si celui-ci il est trop dur, on repose ici les haltères. On ouvre. On amène. Et hop, et on relâche. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Super. 1, 2, 3, 4. Excellent. 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Le dernier. 1, 2, 3, 4, on relâche. Oh là 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 là, celui-ci, il fait du bien. Hein. Allez, enroulez vos épaules et on va combiner un dernier exercice. On va ouvrir, inspirer.
On resserre les bras, on fléchit, on amène derrière et on freine. Encore. 1, 2, on freine derrière et on tend et on relâche. C'est ça. 1, 2, hop, hop, voilà. Et on descend. Excellent. 1, 2, allez, travail d'ouverture, de cage. Travail d'épaule. Travail des triceps. Ici, lorsque je descends, je fixe les bras, je monte et je relâche. Excellent. Inspirez. Et on relâche. Encore, encore, encore. 1, 2, fléchis, fléchis, étends et freine. Encore, ne cambrez pas. Rentrez bien votre ventre. Voilà. Hop, hop. Allez, allez, les amis, dernière fois, on monte, hop, on fléchit, et on freine, et on relâche. Dernière petite surprise, on se met sur les genoux, et on va venir faire une minute de pompe. Ici, les coudes serrés, et on descend. Voilà, tu vas à ton rythme, si c'est trop dur comme ça. Allez, c'est parti, hein. Il y a une minute à tenir, allez. Tiens tout, tiens tout. Oh, allez, on lâche pas, hein. Hop. Et si c'est trop facile, on se place sur la pointe des pieds. Allez. C'est ça. Oui. Les coudes le long des côtes. Et on pousse. Et on souffle. Allez. Encore, chacun son niveau. Encore 30 secondes comme ça. Même pas, même pas. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il me reste 15 secondes. Allez les amis, on tient bon, on tient bon, on tient bon. C'est la dernière ligne droite et après ce sera bon. Ça gonfle, ça chauffe, c'est normal. Allez, encore, 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 encore. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo les amis. Ok, bien joué. Je vous applaudis. Laissez les haltères ici au sol. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous avez bien bossé. Allez, bravo. Les pieds serrés, les mains derrière. Vous sortez bien la poitrine, ouvrez la cage thoracique. Voilà, excellent. Inspirez. Et on souffle. On enroule. Encore une fois, inspirez. Et on souffle. On relâche. Ok, on va prendre le bras droit, le placer entre les omoplates, la main entre les deux omoplates et on ramène le coude vers l'intérieur. On se penche légèrement sur le côté. Hop. Ok, même chose de l'autre côté. Bravo les amis, si vous aimez bien ce genre de cours de body sculpt, de renforcement musculaire, etc. N'oubliez pas, hein, on a la petite plateforme, notre petit Netflix du fitness. Ça s'appelle MIF Training. C'est moins de 10 euros par mois. Donc, vous avez... près de 300 cours en ligne, donc du step, du renforcement, bref, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous mets les liens dans la description. Regardez, soyez curieux. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Vous avez juste à cliquer sur nos deux petites têtes ici pour vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bravo, bravo à vous. Et surtout, on lâche rien du tout.